ce soir la célébration de la Journée mondiale du climat. Quels sont les risques encourus par la planète Terre si nous continuons à la polluer? La réponse en début de journal. Dans cette édition, nous parlerons également d'autres risques, ceux liés aux restaurants ambulants. Les règles d'hygiène sont-elles respectées? La réponse dans le dossier du dimanche. Début demain, lundi 9 décembre, de l'opération de désarmement des groupes armés en Centrafrique. Mais déjà aujourd'hui, les soldats français patrouillent dans Bangui, la capitale. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Aujourd'hui, dimanche 8 décembre, c'est la Journée mondiale du climat ou Journée mondiale contre le changement climatique. Cette journée de mobilisation pour le climat a pour but d'informer les populations sur les risques encourus par notre planète, la Terre, si nous continuons à la polluer. Alors, la machine climatique est-elle déréglée? Pourquoi le climat change-t-il? Quelles sont les conséquences liées au changement climatique? Élément de réponse avec Grace Kando. Le Programme national du changement climatique explique que le climat est l'ensemble des changements dans le temps que l'on observe chaque jour et dans la durée. Mais un constat, aujourd'hui, les saisons ne sont plus maîtrisables. On ne sait vraiment pas dans quelle période on est, mais il fait tantôt chaud, tantôt froid. Donc ça a tendance à rendre la population un peu plus malade. Les saisons de pluie, généralement, c'était au mois de juin, juillet. Mais depuis un moment, depuis pratiquement cette année, nous constatons que vraiment dans ce mois de décembre, il pleut considérablement. Selon le coordonnateur du Programme national du changement climatique, plusieurs causes expliquent ce phénomène naturel. Les causes des changements climatiques au niveau mondial, c'est un phénomène planétaire. Donc c'est l'émission en grande quantité des gaz à effet de serre, des gaz qui proviennent d'échappement, des véhicules, des avions, des bateaux. La destruction des forêts, tous ces gaz-là, quand ils sont émis dans l'atmosphère, ont tendance à réchauffer le climat. Pour cette célébration officielle du changement climatique, des recommandations sont faites. Il faut que nous consommions de façon raisonnable nos forêts. Il faut que notre agriculture soit responsable et durable. Éviter de gaspiller l'électricité, par exemple, l'eau et nos ressources naturelles. En 2014, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable prévoit une campagne nationale de sensibilisation de toutes les couches sociales pour mieux expliquer les changements climatiques et comment y faire face. L'autoroute du Nord a encore tué ce matin un camion affecté au transport des billes de bois a violemment percuté un mini-car qui venait d'Attinguer avec à son bord des commerçants. Bilan, au moins 10 morts. Le conducteur de la remorque se serait endormi au volant. Une femme de 50 ans qui rêve du continent africain. C'est la trame de l'histoire relatée par l'écrivaine française Sophie Vaubourgoin dans son tout premier roman intitulé « Mémoire blanche d'Afrique noire ». La dédicace de cette œuvre a eu lieu le 1er décembre dernier dans la commune de Grand Bassam. Invite au voyage, puisez le plus loin possible dans ses souvenirs. Sophie Vaubourgoin veut partager avec le reste du monde son voyage en Afrique. Elle écrit « Mémoire blanche d'Afrique noire », une œuvre loin d'être un cliché. Elle retrace toute la première partie de sa vie en Afrique. Ma venue en Côte d'Ivoire est en fait l'essence d'un rêve que j'avais fait quand j'étais enfant. Donc dans ce premier roman, puisqu'il y aura une seconde partie, je raconte la construction de ce rêve, avec toute l'Afrique en transversale. Pour l'auteur, il s'agit de montrer à travers ce roman incarné par Françoise, l'héroïne, l'importance du brassage culturel, mais aussi le voyage intérieur qui la ramène aux sources de son rêve africain. Pour les mémoires d'une personne en soi, bon, on est tous des personnes lambda, des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, ce qui n'est pas mon cas. Donc il fallait que je mette aussi du roman, de la littérature pour en faire un livre intéressant. Le retour vers le passé africain, un sujet bien apprécié des participants. C'est déjà assez intéressant de voir un petit peu le brassage culturel aujourd'hui par la présence d'Européens, d'Africains qui sont ensemble en train d'échanger sur justement l'expérience de l'héroïne de mémoire blanche d'Afrique noire. Sophie aime l'Afrique, elle adore l'Afrique. Et même de par ses relations avec nous, tu sens qu'elle a envie d'être africaine. Elle a la peau blanche, mais elle a le sang noir qui circule.
Petite fille non désirée et délaissée, l'Afrique a fait entièrement partie de sa vie. À 55 ans, Françoise, ou plutôt Sophie Vaubourgoin, entend faire le bilan de sa vie passée en Afrique et son œuvre demeure au final une quête de liberté. C'était un reportage de Franck Quadio. La salsa, la danse et le genre musical latino-américain ont été célébrés récemment au foyer polyvalent de Vridicité dans la commune de Port-Boué. Il s'agit du tout premier festival de salsa organisé par le Club de la Fraternité et de l'Amitié. C'est un reportage de Michel Mambo. Des pas de danse exécutés avec maestria comme si l'on était à Cuba. Nous sommes pourtant bien à Abidjan, c'est juste que le foyer polyvalent de Vridicité a été transformé en salle de danse le temps d'une soirée salsa. L'idée est du Club de la Fraternité et de l'Amitié qui a décidé de replonger les salseros en cette période de fin d'année dans le bon vieux temps. On a voulu, pour une première édition, créer ce club pour permettre à certaines personnes de notre âge qui adore cette musique, de venir se divertir et changer. Chapeau, melon, bretelle, tout était réuni pour donner un cachet spécial à la fête. Même le maire de Port-Boué, Hortense Akangui, et ses pères de Cocody et d'Adjamé n'ont pas pu résister à la tentation. Je revis et je renais, c'est une nouvelle jeunesse. Et j'espère que la prochaine fois, notre commune aura le courage d'organiser une telle soirée. Et pour joindre l'utile à l'agréable, une collecte de fonds est organisée séance tenante. Des fonds qui seront affectés à la réhabilitation de centres de santé, l'année 2013 ayant été décrétée année de la santé. La fête des moissons a été célébrée aujourd'hui par l'église tabernacle de Yopougon, Cité Verte. Moment de réjouissance au cours duquel les fidèles de l'église ont présenté leurs différentes offrandes. Plusieurs prières d'adoration et de louanges ont été également dites. Chant d'allégresse, cris de joie et exécution de pas de danse en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. C'est l'ambiance qui a prévalu ce dimanche matin à l'église tabernacle de Yopougon. Un culte d'action de grâce aux allures festives pour satisfaire à la tradition de la fête des moissons célébrée chaque année dans cette église. L'action de grâce, c'est un moment de reconnaissance tout simplement. Ce sont les actions que nous apportons, nos bénédictions que nous présentons à Dieu pour ce qu'il nous a fait. Il arrive un temps où un enfant de Dieu de marquer un stop, de faire une pause pour dire « Seigneur, je te bénis pour la vie que tu m'as donnée ». Vous savez que traverser une année, ce n'est pas quelque chose de facile. Et si nous sommes à cette période, nous croyons déjà que Jésus-Christ a déjà prévu 2014 pour nous. Pour cela, nous anticipons, nous venons lui dire merci, nous apportons des actions de grâce. Une occasion pour le peuple de Dieu de faire des offrandes en nature et en espèces. Je vois un peu la grandeur de l'Éternel dans ma vie, donc je ne peux que lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Donc c'est la joie qui m'anime et la véritable paix. Ça fait pratiquement un an que le Seigneur nous a gardé en vie. Si vous partez dans les hôpitaux, vous allez voir des gens qui sont malades, des gens qui sont morts, et vous et moi nous sommes en vie. Il est important de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les fidèles de l'église tabernacle ont saisi la balle au bon pour confier la fin de l'année 2013 et la nouvelle année au Tout-Puissant. Un reportage de Laetitia Manglé. L'opération de désarmement des groupes armés en Centrafrique va commencer demain, lundi 9 décembre. Annonce faite par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Sur le terrain, les soldats français patrouillent aujourd'hui dans Bangui, la capitale. Les principaux boulevards ont été quadrillés. Les forces armées françaises ont également commencé à prendre position à Bossangoa, dans le nord-ouest du pays, où les affrontements à caractère interreligieux ont débuté en septembre dernier. En bref, 53 chefs d'État et de gouvernement, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont confirmé qu'ils vont se rendre en Afrique du Sud pour les obsèques de Nelson Mandela le 15 décembre prochain. L'Afrique du Sud qui continue aujourd'hui de rendre hommage à Nelson Mandela au premier jour d'une semaine de deuil officiel. Des chants, des homélies et des prières s'élèvent dans des églises, mosquées, temples et synagogues à travers tout le pays. Dimanche de prière en Afrique du Sud, au premier jour d'une semaine de deuil national. Office solennel à Johannesburg, dans l'église méthodiste de Bryanstone, côte à côte, Winnie Mandela, l'ex-épouse de Madiba, et le président Zuma assistent à la messe.
Une cérémonie en souvenir de leur icône Nelson Mandela, source d'inspiration pour la nation tout entière. Quand je dis de prier pour la nation, c'est chacun qui doit prier pour ne pas oublier toutes les valeurs auxquelles Madiba croyait, pour lesquelles il se battait, auxquelles il a sacrifié sa vie. Le pays à l'unisson, comme ici à Cape Town, célèbre la vie extraordinaire du premier président noir d'Afrique du Sud, du faiseur de paix. Aujourd'hui, je suis venu à l'église pour dire au revoir au grand homme qui a changé nos vies, qui a transformé l'Afrique du Sud en démocratie. Venant d'un pays qui cherche la réconciliation, surtout après les violences post-électorales, c'est bon de voir quelqu'un qui a su être à l'avant-garde de l'union entre les races. L'hommage des petits et des grands à Nelson Mandela se poursuivra jusqu'à son enterrement le 15 décembre. Une grande cérémonie est prévue à Kounou, où sont attendus plus de 50 chefs d'État du monde entier. La colère ukrainienne aujourd'hui à Kiev, des manifestants pro-européens ont renversé une statue de Lénine, le leader de la révolution russe de 1917. Plus de 250 000 opposants étaient dans les rues pour réclamer le départ du président Yanukovych. La vente ambulante de nourriture, un secteur informel qui s'étend considérablement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Ce secteur offre aux populations des villes, dont les travailleurs, élèves et écoliers, des aliments prêts à être consommés au goût populaire et au coût acceptable. Cependant, les commerçants ambulants respectent-ils les bonnes pratiques d'hygiène lors de la fabrication ou de la manipulation de ces aliments ? On en parle ce soir dans le dossier du dimanche avec Franck Wadio. Boulevard Nangui à Brogwa, dans la commune d'Adjamé, commerçants, conducteurs de taxis et autres artisans, nombreux à prendre leur petit déjeuner dans la rue, du café ou de la bouillie de mil, c'est selon la préférence de chacun. Comme tout le monde n'a pas les moyens de boire le café le matin, donc on s'achète le bara pour boire. Mais c'est moins cher. C'est très bon. Souvent, quand il pleut comme ça, on a froid, ça nous réveille aussi au volant, quoi. La vente ambulante de café, une activité qui prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Certains y gagnent entre 3 000 et 4 000 francs CFA par jour. On préparait depuis 4 heures du matin, tu vois. Là maintenant, on envoie les cafés là. Si quelqu'un est venu payer le café là, là maintenant, il les verra. Après, il nettoie et donne quelqu'un là, il boit le café. La terre aussi. On sauve l'eau là seulement. Un seul seau d'eau pour rincer les verres utilisés par plusieurs clients toute la journée. Une pratique qui nuit à la santé selon certains consommateurs. Il peut boire 3 verres par jour. C'est ma tante qui m'a dit d'arrêter. Parce que verre là, tout le monde utilise dans le marché. Et puis il n'a pas sa verre ou des verres. Il rince seulement pour mettre pour quelqu'un d'autre dedans. Donc ça peut donner maladie. D'autres vendeurs ambulants ne sont pas en marge. Cette vendeuse de bouillie ne se soucie guère des règles d'hygiène. Elle tient son commerce dans cet environnement malsain. Souvent, je peux gagner 5 000 par jour, 7 000, 8 000 maximum. Bon, depuis à 5 heures ici, j'ai installé ici. Plus tard, 8 h 30, j'ai déjà fini. Arrivé à la maison, on prend les eaux de Javel, Omo, et puis on lave bien les cuvettes là. Ici, là, ça va être de l'eau simple. Mais cela n'empêche pas les clients de savourer la bouillie. C'est doux. Si tu bois comme ça, tu peux faire la moitié de la journée avant de manger. C'est la couleur des barres là qui fait l'eau là, ça devient rouge comme ça, sinon il n'y a rien dedans. Pour le ministère de la Santé, le non-respect des règles d'hygiène est une véritable préoccupation. Il y a la fièvre typhoïde qui peut suivre ce genre de mauvaises pratiques. Il y a aussi la transmission par la salive, telle que la tuberculose par exemple, hein, la syphilis, qui peuvent être transmises par le fait des verres qui passent d'une personne à l'autre sans être nettoyés, par le fait du vendeur qui n'est pas toujours propre, mais surtout qui ne lave pas ses mains, qui ne lave pas ses récipients comme il se doit. Je ne parle pas de rincer, hein. Je parle de laver avec le savon correctement. Alors il y en a qui utilisent aussi des verres à usage unique. Dans certains cas, quand les verres à usage unique leur coûtent cher, eh bien ils les réutilisent. Donc ce sont des pratiques qui ne sont pas bonnes,
C'est une phrase qui revient souvent. Le microbe ne tue pas africain. Mais le microbe rend malade l'Africain et ensuite ça le tue. La vente ambulante d'aliments est dangereuse pour la santé des populations. Chaque année, plus de 24 000 cas de tuberculose sont diagnostiqués selon l'OMS et ce commerce est au nombre des causes de cette maladie. Voilà, merci de toujours suivre RTI 2. On se retrouve demain lundi à 19h30 pour une autre édition.